anywhere. And so I'm telling, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Bah alors, ça va, je vous retrouve évidemment pas à 9h puisque je suis sur Sud Radio, donc 9h40 et demi presque. J'espère que vous êtes nombreux pour cette revue de presse du monde moderne qui est à 9h ou presque, hein, tous les jours ou presque. Mais vous êtes là, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de ce stream sur vos réseaux sociaux, à hurler dès que vous le pouvez. C'est génial la revue de presse du monde moderne, qu'est-ce que j'aime ça. La musique pour ceux qui demandent, merci Ninos43 de s'abonner. Vous pouvez bien sûr vous abonner ici ou via Patreon, on compte sur vous. La musique c'est Blackpool, c'est mon groupe. On joue encore, donc n'hésitez pas. J'ai eu des invitations pour aller jouer à Marseille, donc on peut venir. Faire un peu de musique, même si bah voilà, maintenant je suis un peu barbu, je suis un peu mais je chante toujours pareil. J'aime toujours autant la musique binaire et non binaire, genrée, non genrée, peu importe. Enfin bref, le punk, le rock, tout ça c'est bien. Et oui, même si c'est en anglais, bah, ça permet aussi de toucher un plus large public parfois, parce qu'on peut chanter en français, mais il faut que c'est des paroles qui aient plus de sens parfois, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'est mercredi, avant c'était le jour des enfants, maintenant c'est le jour du Conseil de défense sanitaire. Et ça va peut-être le jour de l'annonce de la vaccination des enfants, hein. Parce qu'attention, Jean Castex, il a chopé le Covid à cause de sa fille de 11 ans. À 12 ans, elle aurait été vaccinée. Elle lui aurait pas filé comme ça le truc. 6000 classes de fermées. On sait plus quoi faire des gosses. Il faut les vacciner, bien sûr. Mais pourquoi ? Merci Véronique de hoster, de comment héberger le stream. Vous pouvez le faire absolument sur vos différentes chaînes de Twitch et d'ailleurs. Allez, comme c'est plus court parce que j'ai ensuite le débat sur Sud, je fais, et puis j'ai la cravate hein, aujourd'hui, voilà, il est comme ça, c'est, mais ça reste trash, vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Quel enfoiré accuser sa gosse, tu m'étonnes, alors que c'est lui qui l'a refilé à tout le monde, s'il était là, hey, je rentre du salon des mères, on a mangé du saucisson et c'était bien chéri. Hein. Allez, tiens, remets-moi un peu de... Non mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Elle va regarder la conseillère MAF, va regarder, super, parlez-en à tout le monde. C'est vraiment vous les ambassadeurs de cette presse alternative, de ces médias alternatifs. Il faut aider Politis aussi, qui est dans la mouise, qui a besoin de sous pour continuer. On a vraiment besoin d'un pôle de médias indépendants, de combat, face à la déferlante de propagande qui nous attend. Puisque, ça y est, hein, Sud-Ouest hier publiait, il est à 44%. Mais notre céleste leader Emmanuel Macron, enfin le meilleur président que la France ait jamais connu, 44%, c'est historique, c'est du jamais vu, aucun président sortant n'était aussi haut, mais c'est normal, c'est tellement le plus beau, c'est tellement le meilleur, il guérit les écrouelles, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi, si c'est le meilleur, la chance qu'on a, que ce président emmène le pays vers des sommets de prospérité que la France n'a jamais connu, les Français ne méritent pas un président comme Emmanuel Macron, voilà la vérité, voilà la réalité, les mecs, ils se, mais paluche, mais c'est un truc de dingue, tu dis, mais on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Non, non, non. Si tu fais un sondage comme ça dans la rue, c'est pas 44%, hein, je te jure. Alors après, oui, hein, les gens qui votent Macron, ils sont pas dans la rue. Bon, il faut aller dans les instituts de beauté de vieilles bourgeoises qui savent plus quoi faire de leur thune. Et là, effectivement, bon, on va être sur les 44%. Mais bon, on n'en est pas là. Allez, on commence cette revue de presse désespérante et pourtant hilarante. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Debout jusqu'au bout, évidemment, CNews et Castex vont en camp de quarantaine. Ah non, Simès et Castex. Ah oui, ce serait marrant de les emmener comme en Australie avec
l'armée qui vient les chercher. Allez hop, dans ta cellule. Pourquoi ? Bah, t'es en quarantaine, Coco. Bah, je suis Premier ministre. Ah bah ouais, mais t'as décidé, c'est toi qui fais les lois. Hein ? Alors, tu veux jouer au con ? Bah, on va jouer au con. Ce serait bien. Non, ce serait pas bien, c'est affreux. Même les médecins sont surpris. On n'a pas vu venir la vague. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, peut-être qu'il n'y a pas de vague, en fait. Mais si, s'il y a une vague, c'est dans le Canard à Nanar, évidemment. Hein. C'est le journal de Bernard Arnault, le Parisien aujourd'hui en France. Alors lui, il est très, très, très Covid, hein, puisqu'il a des actions Moderna. Donc vacciner les enfants, c'est cool. Hein. Même avec le Moderna qui fait des myocardites, c'est pas grave. Hein. Les gamins, ils peuvent s'en remettre. Hein. C'est pas grave. Alors que le vieux, hein, qui n'est pas vacciné, qui fait... Non, franchement, non, non, non. C'est... En fait, le Covid, in fine, tu te rends compte que ça fait bugger les dirigeants des pays vieux. Parce que ça touche majoritairement les pays vieillissants et ils se disent « Merde, tous nos électeurs vont y passer, qu'est-ce qu'on fait ?» quoi. Donc ils disent « Bah vaccinons les gosses !»« Bah oui, les gosses, ils votent pas, tiens, allez, ouais, bonne idée, tiens. » Puis ça protégera les électeurs qui vont voter pour nous. Ouais, puis ils vont dire « Ah, vous avez bien défendu. » Et puis quand les gosses vont avoir des problèmes à cause des... On sait pas, Si jamais, hein, bah, c'est pas grave, les vieux seront morts, ils demanderont pas des comptes. C'est bien foutu, hein. c'est un cycle court, c'est assez bien foutu. Alors là, voilà, donc vague fulgurante, hein, fulgurante, attention, hein, on emploie bien les mots. Faut dire qu'ils ont fermé 5000 lits en 2020, donc forcément... On ne sait pas quoi faire de tout le monde qui arrive entre les bronchiolites des gamins, la grippe, les gastro, bah les urgences qu'il y a d'habitude, les AVC, tout qui va bien. On a les mecs du Covid qui arrivent. Alors, heureusement, il y a des traitements qui arrivent. Vous allez voir, on va en parler. Pas le banamdamdamimab. Ils ont des noms, les traitements qui arrivent. Tu dis, c'est fait exprès pour qu'on ne puisse pas les prononcer, pour qu'il n'y ait pas de procès après. Tu vois, parce que Mediator, tu pouvais prononcer, tu vois, Mediator, procès. Là, t'arrives, c'est le procès du... Bah non, en fait, tu fais pas de procès parce que déjà, rien que dire le nom du médoc, déjà, tu lâches l'affaire, en fait. C'est très malin. Tu sens que les labos, au marketing, ça réfléchit. Alors, quel est le nom le plus imprononçable qu'on va pouvoir trouver pour ce médicament qui sert à rien ? Bamlinivumab. Très bien, Michel. Un point. Écoute, tu auras un bonus hein, pour avoir trouvé ce nom bien pourri. Ah bah, j'ai bien travaillé parce que je sais que si on finit en lab, déjà, bon, c'est compliqué. Si on met un M là où on peut pas le prononcer, c'est pas mal. Et comme j'ai commencé avec un B comme bit, parce que c'est Micheline qui rigolait, voilà, on a bien rigolé. Hein, on a bien rigolé sur le bamlinivumab. Donc voilà, les mecs sont vraiment au taquet. Donc il n'y aura pas de procès puisqu'on peut pas prononcer le nom du médicament. Bravo, hein. Bravo les gars. On en parle tout à l'heure. Là, c'est juste pour dire, les médecins sont surpris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc voilà. Donc là, c'est un truc quand même. Toute l'idée du vaccin, c'était deux doses et mamie va pouvoir embrasser ses petits-enfants. Trois doses et mamie va peut-être pouvoir embrasser ses petits-enfants avec un masque. Peut-être qu'elle va rester sur la terrasse quand même. On ne sait jamais. Alors, on n'est jamais trop prudent. Peut-être que mamie, on va la mettre dans son cercueil connecté, hein, le temps qu'elle s'habitue. Et puis, voilà, elle pourra voir ses petits-enfants sur son iPad. Hein, c'est vachement bien foutu. Bref. Peur de la vie. Non, il y a des trucs plus sérieux dans le Parisien quand même, notamment l'autorité de la concurrence et des douanes européennes qui s'attaquent à Wish, vous savez, la plateforme où on vend les élastiques à chibre notamment. Eh ben, c'est que de la merde. Tous les produits qu'il y a sur Wish, quasiment, c'est de la merde. Alors, vous avez des guirlandes de Noël qui foutent le feu, où tu peux t'électrocuter. Vous avez des petits canards en plastique avec des produits cancérigènes hein, pour que les enfants puissent bien manger les produits cancérigènes dès le plus jeune âge. Vous avez des tétines avec du bisphénol qui est bien sûr un perturbateur endocrinien extrêmement connu, interdit. Hein, mais en fait, et donc les mecs se sont dit non, sur Wish ils vendent vraiment trop de conneries. On a retrouvé le programme de Macron, on a retrouvé des trucs, c'est pas possible. Quoi. Regardez, il y a encore les tongs de l'UMP qui traînent sur Wish. Quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ils ferment Wish. Arrêtez d'acheter des conneries sur Wish. Hein. Nous, on va vous vendre des élastiques à chibre, c'est made in France, hein. Pensez en France. Je sais pas quelle usine va les produire, c'est Antoine qui a géré, mais mon Dieu, voilà, s'attaquer à Wish, c'est quand même un gros truc. Donc n'achetez pas des merdes sur Wish, hein. c'est extrêmement dangereux. Évitez, hein. C'est un truc qui peut s'avérer dangereux pour la santé, comme le bamlanivimab qui devait soigner, mais qui s'est avéré très dangereux pour la santé également. Bonjour à tous, bienvenue. C'est la revue de presse du Monde Moderne tous les matins à 9h ou presque. N'hésitez pas à partager ce stream dès que vous pouvez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la presse ce matin ? Je fais des E pour ceux qui savent pas. C'est une revue de presse bienveillante pour ceux qui savent pas. On parle de tout. Ah ouais, on va parler un peu de dictateur. Il n'y a pas grand-chose ce matin dans Le Parisien. J'étais très déçu par Nanar. D'habitude, il est quand même un peu plus au taquet, mais là... Dans Libé, on apprend que quoi ? Que la France traite bien les dictateurs ?
Mais pas que les dictateurs, les familles des dictateurs aussi. Eh oui, puisque en Syrie, dans la famille des dictateurs, Paris laisse filer l'oncle. Alors c'est l'oncle de Bachar el-Assad, c'est le frère de Hafez el-Assad, hein, l'ancien dictateur de Syrie. Bon, c'est le fils qui a repris les commandes. Mais à l'époque, l'oncle avait voulu faire un coup d'état fratricide, hein, et il avait perdu et il s'était réfugié en France. Alors à l'époque, c'est Muammar Kadhafi, très sympa, qui avait dit « Écoutez, hein, les frangins, vous nous faites chier là, la Syrie et tout, je vais faire un gros chèque à monsieur Al-Assad qui va en France, comme ça il fera pas chier ». Donc il avait fait un gros chèque en disant « vous rembourserez quand vous voulez, c'est pas grave, c'est cadeau ». Le mec avec le chèque, bon, il s'est acheté des châteaux en France, il s'est acheté des propriétés à Londres, en Espagne, en Suisse, un peu partout. Puis à un moment les mecs ont dit « mais d'où vient cet argent monsieur Al-Assad ?» Ben, il vient de la Banque Centrale de Syrie. Le mec pillait les ressources de son pays avec l'aide de la famille. Hein. C'est un truc, ça se fait en famille. Hein. C'est quand même, c'est propre. Mais comme Mitterrand l'aimait bien, voilà, il est sympa lui quand même. Hein. Donc on lui a offert plein de cadeaux, plein de largesses. Et après ça, ben, il est rentré en Syrie tranquillement l'an dernier. Sans que les Français l'arrêtent, alors qu'il était recherché, bien sûr, pour blanchiment d'argent, pour association de malfaiteurs et pour crime de guerre également, parce que bon, quand même, il n'y a pas que la thune dans la vie. Si on peut torturer et tuer des innocents, c'est aussi sympa. Donc voilà, c'est encore une belle réussite, hein, de la part de la France. Alors Libé ne fait pas sa couverture, hein, sur l'Égypte et l'affaire de sortie par Disclose et Télérama sur ce régime de Sissi qui a utilisé de la technologie française, hein, pour tuer et torturer des opposants. Encore ? Ah ouais. Les valeurs de la République, tout ça. Hein. Mais on a le carré républicain à l'école. Hein. Jean-Michel Blanquer nous défend liberté, égalité, fraternité. C'est un truc qu'on a chevillé au corps. Hein. Combien tu prends de rafales ? 12. 12 rafales, très bien. Eh ben oui, bah, pas de problème. Écoute, avenue Marceau, oui. 8000 mètres carrés avec jardin, pas de problème. On fait ça. Combien ? Des putes ? Ah ben attention, hein, non, quand même, attention, c'est... D'accord, alors les voitures, pas de problème. Sans permis, aucun problème. Oui, permis diplomatique, pas de problème, monsieur. Merci, monsieur l'agent. Alors, lui, ce qui est génial, c'est qu'il avait un château à côté de je sais plus, enfin, en banlieue parisienne, en grande banlieue, enfin, très loin, un beau château. Et il avait fait venir 80 Syriens qui bossaient pour lui, non déclarés, hein, qui payaient cash, qui étaient femmes de chambre, qui s'occupaient des gosses. Les gosses allaient à l'école en limousine avec des gardes du corps. Les gardes du corps avaient installé des miradors aussi à l'entrée du château. On n'est jamais trop prudent. Et comme il se faisait chier le week-end, il tirait les lapins à la Kalachnikov. Donc les riverains étaient un peu vénères en disant « bon, quand même, on aimerait bien aller aux champignons, mais... » Alors d'habitude, on est les chasseurs, mais là, on a les gardes du corps syriens qui tirent les lapins à la Kalachnikov. Monsieur l'agent, c'est un peu crado. Alors, il y a eu 2015, entre-temps, les mecs ont dit « Ah, c'est un peu chaud », donc ils sont un peu calmés. Mais il s'est barré, il ne paye plus, évidemment, les Syriens qui habitent là dans des conditions déplorables, puisque ne payant plus non plus les factures, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante. Alors, il y a un groupe électrogène, hein, qui assure la survie de ces 80 familles syriennes qui sont toujours là-bas, dans le château, qui étaient des serfs, hein, tout simplement, les gueux traités par leur seigneur, qu'elles appelaient « Votre Excellence, Votre Majesté ». 16 enfants de 4 femmes. Voilà, c'est quand même bien. Je vous dis, c'est chouette que la France ait gardé encore, tu vois, l'accueil des étrangers au cœur. Hein. Voilà, quand tu accueilles les Syriens de cette façon-là, je trouve que c'est loin. C'est noble et c'est là qu'on retrouve toutes les valeurs, hein, françaises de la République. Alors c'est sûr, si t'es pas fils de dictateur, oncle de dictateur, si t'as pas quelques millions dans ton compte en banque, alors là non, Éric Ciotti, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, ils vont dire, non, ça suffit les étrangers qui sont pauvres. Nous ce qu'on aime c'est les étrangers qui sont riches. Ceux qui font des expos sur l'art musulman, ceux qui financent les campagnes électorales, ceux qui nous achètent des belles montres, ceux qui sont sympas avec nous, quoi. C'est des étrangers sympas. Pas les étrangers qu'on connaît pas, là, qui viennent en bateau, qui sentent la sueur, hein, ceux-là, oulala. Pff, en plus, ils viendraient quoi avec une religion comme quoi, comme l'islam, tout ça. Non, 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 pas ceux-là. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je trouve que c'est beau que la France ait su garder, hein, cette tradition de terre d'accueil et des droits de l'homme. Et puis, alors, ce que j'aimerais, c'est que maintenant, Libé fasse la couve sur l'affaire égyptienne, puisque là, on parle plus de François Mitterrand, on parle d'Emmanuel Macron, de François Hollande. Hein. On parle quand même d'un scandale d'État de grande ampleur où la France aide un dictateur à maltraiter ses opposants. C'était le cas en Libye avec l'affaire Amessis également. Hein. Mais il faut surtout pas trop en parler non plus. Le Monde en parle un peu. Merci, Le Monde. Et puis, comme il serait temps, hein, qu'arrive la fin du monde, parce que, bon, la quatrième saison du Covid, hein, si on passait aux astéroïdes. Eh oui, une astéroïde, la NASA envoie une mission d'une sonde kamikaze qui va aller péter un astéroïde à quelques millions de kilomètres
en disant on va voir si ça marche des fois. Donc on balance une boîte de conserve dans l'espace en disant éventuellement elle va pouvoir détourner l'arrivée d'une astéroïde sur Terre. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent avec les astéroïdes. Et c'est vrai, alors si on fait le récap de toute la merde qu'on a eue à cause des astéroïdes, ça en fait quand même. Hein. C'est un truc depuis que le monde est monde, depuis que la Terre est ronde, depuis que les astéroïdes nous tombent sur la gueule, comme les confinements d'Emmanuel Macron nous tombent aussi sur la gueule, eh bien, il s'est passé des choses avec les astéroïdes, des choses exceptionnelles, des choses incroyables. Je vais vous raconter... Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un ancien conseiller de François Hollande qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, qui est devenu président. Hein? Non, raconte-nous une vraie histoire, Père Castor. L'histoire des astéroïdes. Bon, alors, d'accord, si vous êtes sage. Les chocs du passé. Au commencement, au début du système solaire, il y a 4 milliards d'années, de nombreux astéroïdes et petites planètes primitives occupaient l'espace et les collisions étaient fréquentes. On pense notamment qu'un planétoïde de la taille de Mars a percuté la Terre. Ah bah dites donc, on ne gêne pas. Une grosse partie de sa matière a été arrachée. Ah quand même, hein, faut pas déconner. Projetée dans l'espace, puis s'est lentement agglomérée pour donner naissance à la Lune. Eh oui, la Lune c'est un bout d'astéroïde. Ça c'est incroyable. Ensuite, la fin des dinos serait due à une astéroïde. Découvert au Mexique en 1978 par des géophysiciens, le cratère Chicxulub, 150 km de diamètre, 20 km de profondeur, a dû être creusé par la chute d'une météorite d'au moins 10 km il y a 66 millions d'années. Le nuage de poussière a vraisemblablement recouvert toute la planète pendant des années, bloquant la lumière du soleil et tuant 75% des plantes et animaux, dont les dinosaures. Mais pas les virus hein, qui sont dans le permafrost qui vont pouvoir ressortir. Et là, ça va être génial. Ça, c'est un super scénario, le virus du permafrost. Le virus préhistorique. On l'a pas encore fait. Je me dis, après le petit virus bricolé, non, ce serait marrant, un truc un peu plus, tu vois. Voilà. En Chine, en 1490, plusieurs ouvrages anciens relatent ce qui s'est passé au mois de mars ou d'avril 1490 dans la province de Shaanxi, en Chine. Les témoins racontent avoir vu une averse de pierres. Il est tombé du ciel d'innombrables roches, plus ou moins grosses. Certaines sources parlent de milliers de morts. D'autres les passent sous silence. Déjà, à l'époque, les mecs étaient là. Non, combien le Covid ? 12 cas contact. Zéro mort. Voilà, répète ça. Hein. Combien, là, les astéroïdes ? Zéro. D'accord. Alors, l'un des textes rapporte que tous les habitants d'une ville ont dû fuir. On n'en sait pas plus. Et puis, en Sibérie, en 1908, le 30 juin 1908, une énorme explosion a été entendue près de la rivière Tunguska, en Sibérie centrale. On pense que l'astéroïde mesurait entre 50 et 80 mètres et que la hausse de pression et de température au moment de son entrée dans l'atmosphère l'a fait exploser en 1000 morceaux. L'énergie libérée a été 1000 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. 80 millions d'arbres ont été soufflés et couchés par le choc sur une surface de 2150 km², 20 fois la superficie de Paris. Et puis en 2013, dans l'Oural, il y a eu des caméras de bord installées dans les voitures. On a vu cette boule de feu, la vidéo maintenant, vous la retrouvez facilement, qui a traversé le ciel de l'Oural, près des monts Oural en Russie. L'astéroïde de 16 mètres s'est fragmenté en traversant l'atmosphère entre 30 et 50 km au-dessus du sol. Mais le souffle de l'explosion a endommagé quand même 7200 bâtiments. Avec toutes les fenêtres de la région qui ont explosé, faisant 1500 blessés. Voilà, donc on peut toujours, il y a toujours un petit rebond scénaristique, attendre l'arrivée d'une météorite. Si ça tombe pas loin d'une centrale, oui, c'est vraiment la merde. Mais ça, c'est pas prévu, c'est pas dans les scénarios non plus. Des scénarios catastrophes, on peut en faire, il y en a un paquet, on peut y arriver. Là, c'est plus compliqué, mais bon, c'est quand même pas mal. Et il fait chaud, ouais. Ben oui, le réchauffement climatique, hein, il n'existe pas. Pour certains, il n'existe pas. C'est un fait, il existe. Il est accéléré par l'activité humaine. Alors, vaccins, traitements, les nouvelles armes du Covid, c'est le Figaro qui nous fait tout un point intéressant, hein, sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on n'a plus l'hydroxychloroquine, mais que les labos vous nous ont créé un truc qui ressemble quand même vachement. Enfin, c'est mieux, plus cher, mieux, qui marche, mieux. Avec des études, tout ça, de labo, hein, un truc bien. C'est vrai, la lutte contre l'épidémie va se renforcer avec l'arrivée de deux pilules antivirales et d'un nouveau vaccin prometteur pour les doses de rappel. Hein, pour les doses de rappel, attention, parce que là, je pense que le conseil sanitaire, ça va être, bon les gars, troisième dose obligatoire, comment, démerdez-vous. Le pass sanitaire jusqu'en juillet 2028,
Pourquoi ? Comme ça, c'est bien. Les enfants vaccinés dès la maternelle, super. Quoi d'autre ? Le masque tout le temps, matin, midi et soir, y compris autour de la table du réveillon. Hein, voilà. Donc bon, c'est génial. Alors, on lit dans le Figaro quand même des trucs assez formidables, notamment un truc, moi, qui m'a fait bondir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce traitement, les traitements par anticorps monoclonaux hein, que les hôpitaux nous vendaient en disant « c'est génial ». Et il y avait un labo qui s'appelait Eli Lilly, où travaillaient d'ailleurs des conjoints de responsables de la Macronie, qui avait sorti donc ce fameux médicament imprononçable, hein, le Bamlanivimab, ou le Bam Bam, on va l'appeler. Donc le Bam Bam, qui était censé guérir hein, des formes graves tout de suite dès que tu le prenais très vite. Bon, il s'est avéré qu'en fait, il était inopérant contre le Delta, voire pire, qui créait des variants résistants. Donc les mecs se sont dit on arrête très vite, mais le mal était fait parce que Emmanuel Macron, votre président bien-aimé à 44%, la gloire de la nation, le phare dans la nuit, la lumière céleste de l'État français, Emmanuel Macron donc, épidémiologiste en chef, qui lisait tout à l'époque, hein, il lisait en anglais des revues que les autres connaissaient pas, il comprenait tout, il avait une vision à 360, il était le virus. Hein. Eh bien là, lui il avait dit écoutez c'est super, je trouve ça génial les anticorps, vous en achetez pour 170 millions d'euros. Donc Olivier Véran s'exécute. Oh oui, monseigneur, oui. Je remets mon masque, pas de problème. Je dis aux Français que c'est des enculés, comme d'habitude. Et ils achètent ce traitement, monseigneur. Donc Olivier Véran achète 170 millions d'euros ce traitement quand même, qui était pour 90 000 doses. Donc déjà, le traitement était cher à la base. Et on en a administré 900 doses seulement. Ce qui fait que ça coûte 191 000 euros par patient. Pour un résultat inutile, inefficace et dangereux. Alors, le Figaro a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La Direction Générale de la Santé n'a pas répondu sur ce point, simplement disant que la France n'avait pas été la seule à s'être fait avoir hein, par le laboratoire, puisque les États-Unis en commandent toujours. Alors, ils ne sont pas fait avoir, c'est parce que ça marche. Évidemment, je suis bête, ça marche. Mais là, pour vous donner une idée de grandeur et de l'arnaque, 170 millions d'euros ont été cramés comme ça dans un médicament inefficace et dangereux. Ils ne rendront pas de compte, parce que tout ça est fait sous le sceau du secret défense. Je pense qu'il faut militer maintenant tous pour la levée du secret défense, pour qu'ils soient responsables, pour qu'ils soient mis devant leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas continuer avec cette tyrannie sanitaire de décider derrière des portes closes à l'Élysée comment maltraiter des millions de Français avec des traitements qui ne marchent pas. Donc maintenant, il faut militer pour lever le secret défense. Ça me semble être la base. Ensuite, pour vous donner un ordre de grandeur, 170 millions d'euros ont été jetés par la fenêtre pour ce labo. Parce que c'est les labos qui font la loi. C'est les cabinets de conseil, McKinsey, c'est les lobbyistes en chef des labos qui sont là, qui murmurent à l'oreille des responsables, que ce soit les responsables européens ou français, c'est eux qui font la loi. Il n'y a plus personne qui gère, il n'y a plus de pilote dans l'avion. 170 millions d'euros foutus en l'air, payés à un labo qui ne rendra pas l'argent. L'ordre de grandeur, pour augmenter de 500 euros les aides-soignantes qui font un vrai boulot, qui en chient, et on les salue au passage, c'est une enveloppe de 100 millions d'euros. Voilà. 100 millions d'euros pour que soient décemment payés les soignants, les aides-soignantes et les sages-femmes. Ça, c'est 100 millions d'euros. 170 millions d'euros cramés comme ça, d'un claquement de bois, sur la demande d'Emmanuel Macron. Ils ne rendront pas de compte tant que nous ne serons pas implacables à leur demander des comptes. Et alors certes, il y a la campagne présidentielle qui s'annonce, et ça pourrait être un cheval de bataille de dire « Moi, candidat, je militerai, et si je suis élu, je lèverai le secret défense. » Et vous saurez ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire, parce que nous vous devons des comptes, et les responsables vous doivent des comptes. Et ils seront mis face à leurs responsabilités. Ça me paraît la base. Donc voilà, ça c'est la première chose. Incroyable cette affaire d'Eli Lilly du Bamlanivimab. Bam bam. Mais il n'y aura pas de procès parce que le nom est imprononçable. C'est bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est des artistes quand même. Autre chose qu'on lit dans le Figaro, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui arrive. Alors tu te dis, ah super, parce que le Pfizer, il fait des myocardites, tout ça, c'est pas cool et tout. Non, mais vous inquiétez pas. On a un truc, c'est Novavax. C'est le vaccin protéique. Alors Novavax, il faut savoir que, bon, les mecs sont super, hein. Sera-t-il le cinquième vaccin autorisé hein, par l'Agence européenne du médicament ? Bon, il suffit de payer, hein. Et après les mecs autorisent tout. Hein. Bonjour, j'ai fait un traitement à base de boulgour modifié, génétiquement modifié, avec du rable de lapin en fait, donc c'est un peu OGM, mais apparemment ça fonctionne.
il faut se l'injecter dans l'œil. C'est un peu douloureux, mais ça fonctionne. D'accord. Tenez, voilà. C'est... Ben, merci. On devrait avoir l'autorisation d'ici la fin de l'année. Ça fait un peu mal, mais c'est efficace. Hein. Ça dépote. Hein. Alors, d'ici à quelques semaines, on va avoir donc le vaccin de Novavax qui va s'appeler le Nuvaxovid. Moi, j'aimerais saluer, et je pense que vous vous associerez à ce salut fraternel, tous les mecs là, des services marketing des labos qui planchent à inventer ces noms de merde. Franchement, les gars, je vous salue. Parce que vous allez voir, le nom des autres traitements qui arrivent, les petites pilules de Pfizer et tout, c'est pareil, c'est des noms avec des X, des Z, des V. Tu dis, les gars, putain, c'est quoi, c'est, vous êtes des champions de Scrabble, en fait? C'est là qu'on vous recrute, et puis il faut faire un mot compte triple. Et là, tu dis, putain, je pense que, regarde, tu vois là, le mot compte triple, eh ben, c'est à peu près ce qui va se passer avec nos bénéfices en bourse, tu vois. C'est à peu près ça qui va se passer avec l'action. Et les mecs sont payés. Et plus ils mettent de X, plus tu sais que ça va marcher. Donc là, ils se sont dit, on y va les gars, le Nuvaxovid. 2V, 1X, 1N, 1D, ça fait combien ça? Si tu mets sur un mot compte triple, eh ben, ça fait quelques milliards dans le compte en banque. Hein. Alors attention, hein. Ça c'est Novavax, il s'appelle Covovax hein, dans les pays du Sud. Ils ont dit deux noms, parce que Nuvaxovid, peut-être qu'au Sud, c'est plus compliqué à dire. Alors je sais pas, donc il y a Covovax d'un côté. Et Nuvaxovid de l'autre, c'est super. Alors là, ils annoncent une efficacité de 90% hein, avec les essais de phase 3, évidemment. Et on te dit non, mais ce serait pas mal, en fait, éventuellement, pour une piqûre de rappel. Parce que bon, comme tout le monde s'est déjà fait ARNiser, on se dit celui-là avec la protéine machin, c'est génial. Alors le problème de Novavax, c'est qu'ils n'ont jamais fait de vaccin, comme Moderna. Mais ils ont chopé 1,7 milliard hein, du projet Warp Speed. C'était ce projet américain où les Américains ont dit « Écoutez, trouvez-nous une solution, on vous file la thune. Hein. Démerdez-vous, il faut que ça sorte vite, il faut relancer l'économie. » Donc ils ont pris les 1 milliard et ils ont dit « On a un vaccin, ça y est. C'est... Vous avez déjà travaillé dans le secteur de la vaccination ?» Non. Ah d'accord, mais c'est bien votre truc. Bah ouais, a priori, ouais, c'est pas... On a fait des études là, avec Michel. Déjà, on a trouvé un nom super. Franchement, on est assez fiers de notre nom. Ensuite, visiblement, ça marche quand même pas mal, donc on est plutôt contents, quoi. Voilà, ouais. Et merci bien sûr pour les milliards. Merci pour les milliards. Merci. Donc là, Novavax, il a été créé en 1987 dans le Maryland et spécialisé dans les maladies infectieuses graves et n'a jamais commercialisé de vaccin. Voilà, et il a chopé donc 1,75 milliard, comme je vous le disais, de l'administration Trump, qui avait déjà précommandé en fait des doses. C'est comme ça qu'ils ont récupéré la thune. Donc après, ils font les doses. Et donc là, Novavax, eux, ils estiment produire 150 millions de doses par mois d'ici à la fin de l'année et plus de 2 milliards au total l'an prochain. Et ils ne veulent pas rester sur le côté de la route. Ils se disent quand même, c'est génial ce qui se passe. Et ça leur permet, eux aussi, hein, ils se servent du Covid comme tremplin pour l'avenir. Et oui, puisqu'ils permettent de développer un vaccin quadrivalent hein, contre la grippe combiné avec le Covid, qui est également en développement chez Sanofi et Moderna. Après, parce que l'avenir, c'est les vaccins combinés. Plus de choix. Alors, t'as l'OMS hein, qui dit « Attention, si vous faites rien, les vieux en Europe, 700 000 morts de plus. Hein. Attention, c'est chaud. » Donc, on va avoir... Alors, attends, j'essaie de retrouver les noms des trucs qui vont nous sortir chez Merck, MSD et Pfizer. Il n'y a pas les noms. Si, il y a forcément les noms. Ah si, le Lagevrio, nom commercial du Molnupiravir, hein, développé par MSD. Je vous dis, c'est génial. Les noms de Médoc, mais c'est un truc. Mais tu dis, mais les gars... Vous fumez quoi? Vous prenez quoi à la base? Bah, à la base, on prend beaucoup de psychotropes. Hein. Jean-Michel était chaman avant de venir travailler ici au secteur marketing. Il a des visions. Hein. Il voit deux serpents qui sont là. Et puis ensuite, et ces serpents disent des mots, sortent des voyelles, surtout des consonnes hein, à base de X et de V. Et ensuite, il s'isole hein, dans la cellule d'isolement. Et quand il ressort, soit il nous donne un nom d'Indien, soit il sort un nom de médicament. C'est super, putain, c'est au point. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça fait 5 ans qu'il fait ça. Bon, il est ravagé, hein, mais il fait un super boulot.
Donc là, il a sorti le Lagévrio. Hein. C'est inspiré des Indiens Navarro. Et c'est vrai que bon, c'est un nom commercial hein, par rapport au Molnupiravir, hein, qui était un nom un peu plus compliqué. Mais c'est un antiviral hein, qui marche bien. Voilà. Super. Merci beaucoup, Jean-Michel Le Chaman. On était donc chez MSD, hein, au marketing de MSD. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un nom. Alors, c'est Pfizer, lui, a trouvé le X mieux que le V. Alors, il a fait le Paxlovid. P-A-X-L-O-V-I-D. X et V et D. On est bon. C'est un bon compte trip. Ça devrait faire des millions dans le compte en banque. Hein. Impeccable. Donc, le Paxlovid face au Lagévrio, mieux que le Bamlanivimab. On est chez les fous, bien sûr. Mais les fous qui soignent, attention. Hein, ils sont connectés. Hein, ils sont connectés au marché. Ils ont l'œil rivé sur les profits et le coût de l'action. Le prix de l'action, ça va cracher de la thune, les amis. Avec des noms pareils, franchement, putain. Camoulox, ouais. Donc, si vous avez des idées de noms de médicaments, n'hésitez pas à les envoyer au monde moderne. On va bientôt recruter un chaman qui va aussi créer des noms de médicaments. Là, je travaille dans ma cuisine donc sur une mixture à base, comme je vous le disais, de phallacoque et de boulgour. Tout ça, bien sûr, mixé hein, avec du foie de veau, qui potentiellement, si on rajoute quelques gouttes de vitamine D, pourrait marcher. Hein, pourrait marcher. Le Modernax Mundi. Ouais, non, mais c'est génial. Le Castex, c'est pas mal comme nom de médicament. Prenez une. Alors, je vous prescris deux gélules de Castex, hein, matin, midi et soir. Ça devrait être bien, ça devrait vous suffire. Voilà. Et oui. Le Troufinel. Le Cramadax. Ouais, non, mais c'est le Siphonex, c'est pas mal le Siphonex, tu récupères toute la thune. Le tuel dans le Siphonex. Ah, vous êtes bons. Le Castevax, ouais, Castevax. Oh là là, non, mais qu'est-ce qu'on se marre, franchement. Mais les mecs se prennent au sérieux, ils font des millions avec ça. Hein. Nous, on rigole, mais on n'a pas choisi la bonne. Vraiment pas du tout le bon filon, quoi. Et là, le Figaro qui reprend. Oh là là, cette petite meeting à Amiens, là, c'était lundi, qu'est-ce qu'il était beau. Regardez, c'est le leader céleste, c'est notre président. À chaque fois que je le vois, j'ai quand même, je me dis, quelle chance, mais quelle chance on a, putain, mais quelle chance qu'on est. On est en train de gâcher. Cette chance, hein, parce qu'on est trop des Gaulois réfractaires, bordel. Il faut lâcher, il faut tout lâcher, il faut ouvrir les chakras, il faut prendre ce qui nous est donné, hein, avec autant d'abnégation. Voilà, je pense que c'est important. Masque, test, vaccin, Macron mise sur le triptyque gagnant. Ah ben, bah, déjà, quand tu vois sa belle équipe, hein, avec Castex et tout, c'est sûr qu'il est gagnant, ça les connaît. Hein. Ouais. Pas de problème. Donc, qu'est-ce qui va nous sortir tout à l'heure? Je ne veux même pas faire les paris. On va avoir Gabriel Attal qui va arriver à midi. Oui, bon, alors, nous avons décidé, en concertation donc avec les autorités sanitaires, de dire aux Français, allez tous bien vous faire inoculer, parce qu'il est temps de le faire. Voilà. La troisième dose, ou rien, sinon pas de Noël. Voilà. Et puis, en connaissance et en conscience, nous faisons confiance, bien sûr, hein, à la responsabilité individuelle de tous les salopards que vous êtes. Au revoir, merci. Ça va être un peu comme ça, mais bon, ça. Je ne comprends pas. Je pense que les Français aiment bien se faire maltraiter. Parce que voilà ce que nous dit quand même Jacques Rennes, hein, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à Montpellier. Alors, aujourd'hui, qui se retrouve à l'hôpital? Alors, il y a les non-vaccinés, certes, mais aussi les vaccinés. Aïe, 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 il ne faut pas le dire. Enfin, Jacques. Si, si, mais parce qu'ils sont à une distance de 6 à 8 mois de leur deuxième dose. Ah, ils ont tout fait bien. Ils se sont vaccinés les premiers, ils étaient là. Ça y est, je vais pouvoir retrouver ma vie d'avant. Non. Je tousse, qu'est-ce qui se passe? Quoi, j'ai le Covid? Enfin, j'ai été doublement vacciné, monsieur, moi. Moi, monsieur, je ne suis pas un de ces salopards qui n'a pas le pass. Moi, je suis doublement vacciné. Ah oui, mais tu n'es plus rien maintenant.
c'est dur. C'est la blessure d'ego, tu vois, les mecs qui étaient là, qui se sentaient rois du monde parce qu'ils étaient les premiers à faire ça, pour le bien de tout le monde en plus, pas seulement pour eux parce qu'ils avaient peur, tu vois, qui étaient là, genre moi je suis un citoyen modèle, moi, tu vois. Et là, t'as la Macronie qui arrive, bulldozer, qui dit « Eh bon, les deux doses là, vous êtes de la merde comme les autres, hein. Désolé, désolé de vous le dire, hein. Franchement, même moi ça me fait mal, hein. Mais franchement les deux doses, arrêtez de vous la raconter, arrêtez de vous la péter, hein. C'est trois doses où vous retournez avec les bouseux, là, les sans-dents, là, les, ceux qui sont pas vaccinés, là, les connards. C'est ça, c'est ça. C'est... Ben oui, c'est ça. Quoi ? T'es pas content ? Tu veux pas... Attends. Viens ici, toi. Quoi ? Emmanuel Macron ? Oui, le meilleur président. Exactement. Bon, va faire ta troisième dose maintenant, et tais-toi. C'est génial. Donc, les deux doses, ils l'ont mauvaise. Hein, parce que franchement, ils pensaient vraiment être l'élite, hein, l'élite de la nation. Et là, on leur dit, non. C'est... Oui, mais toi, t'as fait ta deux doses il y a 6 mois, tu vois. Et, ben, ça vaut rien. Mais c'est pas, mais le vaccin, on était censé retrouver la vie. Non. Non, alors je vais t'expliquer. En fait, il n'a jamais été question de retrouver la vie d'avant. Mais pourquoi c'est conspirationniste ? Non, mais c'est comme ça. Il faut que tu l'acceptes maintenant. C'est une dose tous les 6 mois. Mais t'as de la chance, parce qu'il y a un panachage maintenant. Tu vas pouvoir avoir le pot de l'Avax, tu vas pouvoir avoir le l'Avaximinir, tu vas pouvoir avoir le Pfizer Isnik, et tu vas pouvoir avoir l'AstraZeneca. Tu peux panacher comme Olivier Véran. Regarde, il en est à 3 vaccins. Il a tout essayé. Il va très bien. Hôpitaux. C'est génial. Donc voilà. Donc c'est beau quand même. Ça commence à se voir. Mais c'est pas grave. Il faut y aller. Il faut vacciner. Surtout les gosses. Là, toute la question, ça va être est-ce qu'on vaccine des 5 ans ou pas ? Mais ils risquent rien, les gosses. Oui, non, mais ils peuvent refiler la ch'touille à papy mamie quand même. Hein. Puis on ferme les écoles, faut pas fermer les écoles. Puis ce serait bien de leur enlever le masque. Parce que là, la promesse, ça va être tu vaccines les gosses pour leur enlever le masque. Mais non, les gosses, je vous explique. Hein, même vaccinés, il faudra respecter les gestes barrières. Cette promesse-là du vaccin qui libère, c'est un peu comme la secte du temple solaire. Hein. C'est vraiment à un moment où tu vas te libérer de ton enveloppe corporelle, finalement. Hein. Ça va prendre du temps, mais tu vas te libérer. Voilà, c'est dingue. Bon, allez, on va arrêter de parler de ça, le lavax de Cervox. En tout cas, c'est oui, puis alors ceux qui n'ont pas commencé, comment ça va se passer, quoi, putain. On va parler un peu de politique. Muselier se barre de chez LR parce qu'il était tout gentil, il amène son petit cœur comme ça, tout sanglotant, à Xavier Bertrand, je t'aime. Et Xavier Bertrand dit, ah, toi, t'es un vilain macroniste, toi, je veux pas de ton cœur. Rêve, attends, attends. Il a repris son cœur tout sanglotant. Puisque c'est ça, je m'en vais. Mais il s'en va. Mais t'as Édouard Philippe qui, lui, est parti bien avant. Hein, qui a dit, oh, moi, j'ai créé un parti. Moi, je regarde loin. Je regarde vers 2030, 2050. Hein, horizon. Alors là, il a une interview dans le Figaro. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Une belle interview. C'est une belle interview comme on les aime. Des responsables politiques comme on les aime. Alors, où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Édouard Philippe. Aucune élection nationale n'est jamais acquise. Alors, il confirme donc que son parti Horizon intégrera la maison commune macroniste, hein, dans laquelle vous avez Richard Ferrand, François Bayrou, Jean Castex et lui. Hein, voilà, c'est la maison commune, hostel. Hein, t'arrives, tu sais pas comment tu ressors, mais ils y vont. Ils ont fait un faux truc, hein, c'est pas vraiment un parti. C'est un havre où ils se mettent d'accord pour se partager les sièges derrière. Ils disent, c'est pas ça du tout. Ils disent, moi, je veux faire un vrai parti. Parce que le Figaro lui demande, mais souhaitez-vous bâtir un parti d'élus ? Pas seulement les élus, enfin ceux qui voient en Emmanuel Macron le soleil de la nation, l'avenir radieux. Non, Horizon est un parti politique et pas un simple club d'élus. Même si je tiens à accorder une place particulière au maire, car je crois indispensable qu'il participe de façon plus intense au débat public national. Mais Horizon a vocation à travailler sur le fond, à former des équipes, à formuler des propositions, à présenter des candidats. Je présenterai bientôt nos équipes et notre programme de travail. Bientôt. Ah, il a fait un grand lancement il y a un mois et demi, là, c'était au Havre. Ambition. Et la keynote d'Edouard Philippe. Alors, comment se teindre la barbe en blanc que d'un côté ? Une vidéo TikTok à plusieurs millions de vues. Et là, non, donc le mec, il va lancer son parti quand même. Alors, votre congrès fondateur se tiendra-t-il mi-décembre, comme cela a été évoqué ? Nous annoncerons le moment venu notre organisation. Je veux privilégier le travail de fond et de nouvelles méthodes. J'assume parfaitement de prendre mon temps. Bon, le truc patauge, il est en train de faire de la tambouille avec... Bon, allez, qui est-ce que je vais récupérer chez LR qui va venir tranquille ? Qui c'est qui veut être ministre ? Qui c'est qui veut être député ? Qui c'est qui n'en a marre que d'être que maire ? Allez. Donc bon, là, ça téléphone, ça déjeune, ça dîne, ça bosse, hein, ça charbonne. Ça charbonne. Hein.
Mais bon, ça va arriver. Et là, la question formidable. La question qui, moi, m'a arrêté. Hein. J'étais là, franchement, je me dis, putain, l'avenir du pays se joue peut-être là. Imaginez-vous ce parti comme le pilier droit du macronisme ou le navire amiral du philippisme? Je vais leur lire. Imaginez-vous ce parti comme le pilier droit du macronisme ou le navire amiral du philippisme? Alors déjà, le macronisme, ça n'existe pas. C'est un ramassis de rien, c'est un néant politique, un attrape-tout hein, d'opportunistes. Et alors le philippisme, le mec était lobbyiste chez Areva, bon maintenant il est un peu chez Atos, il est maire du Havre, le Havre, principale porte d'entrée de la cocaïne et de la chenouf en France. C'est un mec, bon il assure, hein. Après bon il a des grands discours sur le régalien, sur l'horizon. Alors, voilà ce qu'il nous dit, hein, sur le navire amiral du philippisme. Le philippisme, c'est même pas le nom d'un parti quoi, tu veux dire... Je suis philippiste. C'est bien, c'est bien. Et sinon, tu skis à tes monoskis ou ski? Parce que c'est... Tu goofy ou régular? Philippiste, d'accord. Allez, bah, je te retrouve... je fais la rouge et je te retrouve bah, au Café des Cimes, hein, si t'as le temps de remonter. Voilà. Ouais, mais je suis philippiste. Ouais, c'est ça. Salut. Salut. Allez, à tout à l'heure. Il a d'abord pour ambition de construire une stratégie pour la France à horizon 2030, voire 2050. Tu vois, ça s'appelle horizon, c'est pas pour rien. Hein. C'est pareil, le mec, chaman du nom, quoi. J'aimerais appeler mon parti horizon. Non, parce qu'on est au Havre, donc on voit bien, tu vois. Puis j'aimerais qu'on voit loin, 2030, voire 2050. Oh, ça, c'est un homme d'État, ça, c'est un homme qui voit loin. Cette vision qu'il peut avoir sur le temps long, c'est formidable. Ah oui. Je suis effaré de voir combien le débat public se réduit souvent à une succession de polémiques sur des mesures immédiates. Comme si nous avions collectivement succombé aux rênes de l'immédiateté et renoncé à ce qui est essentiel pour réussir. Une stratégie. Oh waouh. Le mec redécouvre la stratégie, tu vois. Tu sens McKinsey qui est arrivé. Ah, il faudrait qu'on parle stratégie, monsieur Philippe. Oui, 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 j'ai appelé mon parti Horizon, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, mais stratégiquement, il faut voir plus loin que 2030. 2050 ? Ouais, 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 carrément. Ah ouais, c'est bien ça, 2050. Combien je vous dois ? Oh ben ça fera 15 000 euros, merci. Alors, tant que la stratégie n'est pas expliquée, on se perd dans la mesure technique immédiate et la contre-mesure. On perd le cap. C'est terrible pour la qualité de vie politique française et désastreux pour notre capacité à être plus fort demain. Bon, le mec est young leader hein, de la Franco-Chinese Foundation, de la Franco-American Foundation. Il a été lobbyiste pour Areva, le lobby du nucléaire. L'Auvergeon, on sait, hein, ça tapait un peu dans la caisse, c'était compliqué avec les mines d'uranium qu'on n'était pas. Bref, c'est compliqué. Hein. Et là, non, mais il a une vision. Bon, tu te dis, ok, pourquoi pas, il est maire du Havre, après tout. Hein. Et puis, c'est la personnalité politique préférée des Français. Il a éborgné sans compter pendant la crise des Gilets jaunes. Il est formidable. Pourquoi pas, allez, donnons-lui une chance. Alors, allez, vas-y, vas-y, Doudou, qu'est-ce que tu vois en 2030, en 2050, hein, qu'est-ce que tu vois? Hein? Non, mais je t'écoute. C'est quoi ta stratégie, je veux dire? À part placer des petits pions, là, pour être élu, pour dire aux Français que c'est des nuls. Parce que ça, on sait faire aussi, hein. Ouais. Et donc, toi, tu dis quoi? Tracer un horizon, n'est-ce pas l'ambition du projet France 2030, lancé par Emmanuel Macron? Demande le Figaro, innocemment. Oh, je m'interdis de parler au nom du président. Mais personne ne sera surpris que sur bien des sujets, nous avons des convergences. Et tant mieux, construire une stratégie, c'est un exercice collectif. 15 000 euros, McKinsey, pour construire la stratégie. La minute du consultant junior. Le mec est stagiaire, en fait. Bon, c'est parce qu'il est cousin de l'oncle qui est déjà, lui, associate. Donc, il a pu venir un peu conseiller de voir Philippe Poivre. Mais bon, c'est bon, voilà. Alors, intégrez-vous la maison commune que la majorité inaugurera le 29 novembre ? Oh oui. Oui. Quand je vois le désordre qui prévaut à gauche, à droite, à l'extrême droite, je me dis qu'il est utile que tous ceux qui se retrouvent dans une certaine idée de la France et qui soutiennent Emmanuel Macron se coordonnent. C'est stratégique. Ça, c'est très stratégique. Bon, puis voilà. Alors après, bon, tout le truc est là. À la fin, quand même, est-ce que vous incarnez le combat de la raison? Ce serait prétentieux, mégalomane et inefficace. Ben, ce serait faux, surtout, parce que c'est pas raisonnable hein, de faire tabasser les manifestants et de leur arracher les yeux. C'est pas du tout raisonnable, ça, monsieur Philippe. Non, 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 non. C'est d'une violence sans nom. C'est même totalement déraisonné. C'est même dangereux. C'est même à la limite de la folie. Hein.
Mais ce combat doit être livré. Ah oui, oui, mais pas avec vous. Hein. Nous ne pouvons pas accepter que le débat public abandonne l'analyse rationnelle. Nous devons nous battre pour renforcer la place de la science à l'école et dans le débat public. Alors la place de la science à l'école, je pense dans sa tête, c'est vacciner les gosses dès 5 ans. C'est la place de la science à l'école, peut-être. Peut-être qu'on aura des futurs Marie Curie, comme ça ils n'auront pas Alzheimer dans le cerveau, comme dit le professeur De Rey, qui déraille complètement en ce moment. De Rey, il est en roue libre, hein. Tu l'invites sur un plateau, il est là. Les enfants de 5 ans non vaccinés sont en train de se transformer en zombies mangeurs de chair. Ben Gilbert, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est prouvé par une étude du Colorado, de l'université mesmérienne du Colorado. Qu'est-ce qu'il raconte, putain ? C'est comme Blachier, on l'a perdu, Blachier. Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu sais pas, un jour c'est les vaccins c'est bien, le lendemain c'est les vaccins c'est nul. Un jour c'est le Covid n'existe pas, le lendemain c'est le Covid c'est grave. Les gars, fermez vos gueules. Rentrez chez vous, fermez vos gueules, confinez-vous. Bon, Edouard Philippe, non, continue son interview tranquille. La science à l'école. On ne peut pas se satisfaire d'un débat public qui laisse penser que quelqu'un de sincère et convaincu a forcément raison. On ne peut pas se satisfaire d'un débat public qui laisse penser que quelqu'un de sincère et convaincu a forcément raison. Ben non, c'est vrai que quelqu'un de sincère et de convaincu qui aurait raison, ça irait bien peut-être. Parce que quelqu'un qui est quand même hypocrite, qui n'est pas du tout convaincu, qui est totalement opportuniste, voire qui est corrompu, c'est mieux que ce soit lui qui ait raison. Hein ? Comprenez la logique ? Quelqu'un de sincère et de convaincu, non, en politique, c'est dangereux. C'est même inacceptable, à la limite du supportable. Non, il faut des opportunistes qui n'en ont rien à foutre. Ça, c'est mieux. La sincérité n'est pas la vérité. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Il vaut mieux l'énorme hypocrisie hein, pour bien cacher les conflits d'intérêts, c'est sûr. La conviction n'est pas la démonstration. Mais non, c'est sûr, quand tu défends un truc sans y croire, comme le masque, les vaccins, tout ça, des mois durant, le masque sert à rien, le masque c'est super. Olivier Véran, par exemple. Formidable incarnation hein, de la sincérité, de la vertu et de la conviction. Ça fait un ministre en titane. Non. Une démocratie ne survivrait pas longtemps à un débat dont la raison et la science seraient exclues. Ah, parce que là, on a un débat raisonnable, les gars. À parler de vacciner des gamins de 5 ans, à enfermer les gens chez eux, à plus savoir quoi faire avec une crise pour, bon, 2%. Hein, on reparle du rapport de la TIA, je suis désolé, mais il faut un peu... Eh putain, la raison elle est où quand tu dis au chômeur, tiens connard de chômeur, t'auras plus d'allocation, tiens faudra bosser plus longtemps. La raison elle est où quand tu dis ah ben on a un système de retraite qui marche mais on va le flinguer parce que ben, l'Union Européenne nous demande de le flinguer pour qu'on soit compétitif. La raison elle est où quand tu vas ouvrir à la concurrence le secteur de l'énergie alors que les prix explosent, la promesse de la concurrence était que les prix baissent. La raison elle est où quand tu crées de l'argent magique qui ne profite qu'aux plus riches, aux actionnaires, à LVMH et aux autres, aux plus proches de la création monétaire et que l'inflation est en train de foutre en l'air des familles entières. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de science non plus, il faut arrêter, c'est du lobbying. Et c'est un lobbyiste qui vous en parle. Donc voilà, il faut arrêter, putain. Ça m'énerve ça, très énervé. Ah, j'ai plus d'image, merde. Ah, je viens de voir que j'ai plus d'image. Bon, bah tant pis. C'est chiant, à chaque fois ça me merdouille, quoi. Attendez, bougez pas, je vais relancer vite fait. Hop.